Alors, aux oeufs plantés, donc les assades, les faits en vigogne. On commence avec Cimetière. Donc, alors, un film de Stephen King que je n'ai toujours pas vu, mais qui, alors, lui, m'a l'air. Là, oui, à l'ouvrir. M'a l'air bien intéressant. Alors, voilà, du coup, je vais me le faire. Avec une petite feuille à la fin, voilà. Ça, par contre, je sais pas ce que ça fout. Ensuite, je me suis trouvé le 2. Alors. Oui, donc alors j'ai eu 2 pour 2 euros. Alors voilà, c'était pas cher. Et en plus, alors bon, voilà, ce sont des films connus, voilà quoi. Donc, moi, je vais me faire. Ensuite, je me suis trouvé Wishmaster 3 et 4 pour 2 euros aussi. Alors donc, ces films-là, par contre, je ne connais pas, mais ça a l'air bien. Donc alors, bah, avec Mélissa de Milatino, les planté, elle dit comme quoi que mes films avec une fille qui a remis tous ses tripes, du coup, voilà. Donc alors, pour ton info, c'est le 3 avec la fameuse scène, comme tu dis. Ensuite, je me suis trouvé, toujours pour 1 euro, Goonies 3. Et donc, alors, savoir que ces films-là, par contre, sont assez rares, je crois, à trouver. Je crois qu'il va assez cher, mais voilà. Ensuite, toujours des nanars, The Black Gate. Donc, alors, avec un chat qui tue. Donc alors ce film-là m'a l'air intéressant. Ensuite, on enchaîne avec les 5 autres sont que des requins. On a Bait. Ensuite, Malibu Shark Attack. Donc alors, lui par contre, alors, ce sont des films de requins que je connais pas mais qui m'ont l'air intéressant. Alors voilà, vu que moi j'aime bien tout ce qui est des requins, du coup ça m'intéresse. Ensuite Bloody Water, qui alors lui par contre, lui tu as vu la photo, je vais essayer de vous montrer. Vu la photo, ça a l'air assez bon, en tout cas ça a l'air intriguant. Alors voilà, j'ai quand même lui laissé une chance. Ensuite alors, un film que quand j'avais vu j'avais pas tout aimé, mais bon il lui laissé toujours une seconde chance. C'est Jurassic Shark, alors voilà, peut-être parce que la dernière fois j'ai pas aimé, mais peut-être que cette fois-ci, peut-être que je vais aimer. On verra. Et enfin, pour finir, les Dents de la Mer 3. Et donc, alors, j'ai déjà le 1 en Blu-ray en DVD. Ah, mais par contre, donc, il manquera plus que le 2 et la revanche. Alors, voilà. Alors, c'était mes achats récents Henri Grenier. Puis, je vous souhaite à tous, à une prochaine vidéo. Bye les gens!